donc à Éperlec, entre le Domarois et le Calaisis, pour c'est ce qu'on peut appeler ici le festival des crêpes. Parce que c'est dingue ce qu'ils font comme crêpes. Ils ont été jusqu'à faire 6500 crêpes. Donc maintenant, nous sommes ici en compagnie de Laurent. Je me permets à Laurent. Alors Laurent, la particularité, c'est qu'il est maire, il est organisateur et il est cuisinier. Tout à fait. Bonjour Gilbert, bonjour le Téléthon. Bah, très content de vous recevoir. Nous, comme d'habitude, toute une équipe est là présente pour animer cette soirée pour le Téléthon. Donc, je vais parler au maire, là. Monsieur le maire, va falloir agrandir la salle des sports. Oui, il va falloir agrandir la salle des sports, tout à fait. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Je ne sais pas d'où on va aller. À un moment, il faudrait qu'on fasse ça l'été. On va pouvoir faire ça dehors. Mais bon, ça ne sera pas le même charme. Ça ne sera pas le même charme, c'est tout à fait. Oui, parce que j'ai remarqué que même dans les salles annexes, c'est plein. Tout à fait. Dans la grande salle ici, vous avez plus de 400 personnes qui ont pu manger et on a mis à peu près 200 places de l'autre côté. Alors donc, le repas, parce qu'on a vu tout à l'heure, alors là, c'est magnifique, là. Hein, il y a toute cette denrée alimentaire. Alors, ça se compose comment? Alors, vous avez toute une base. La première, c'est la pâte à crêpes. La pâte à crêpes, farine, le lait, les œufs, c'est la base. Et bien, ça, c'est offert par nos agriculteurs et nos boulangers. Donc, tout est offert entièrement. Aujourd'hui, c'est plus de 1000. On est à 280 litres de lait, 140 kg de farine et 1400 œufs. Ouais. C'est des records. C'est des records. Mais le record, il est derrière. C'est que pour casser tout ça, préparer tout ça, eh ben, on a eu un record depuis 2 jours. C'est qu'on a une population qui s'est déplacée. Hier, on était plus de 30 personnes à venir donner un coup de main. Et aujourd'hui, ben, on a la preuve autour de nous. Eh ben, on a plus de 60 à 70 personnes qui participent. C'est magnifique, c'est magnifique. La solidarité. Alors là, je vois, regarde. Alors là, on voit hein, la crêpe carrément. C'est la crêpe farcie, quoi. C'est une crêpe garnie farcie. Alors, elle est farcie au jambon, soit au saumon, avec des petits légumes, du gruyère et de la crème. Tous ces produits bah, sont offerts par les artisans, les bouchers, un poissonnier et nos fromagers et nos grossistes qui nous offrent le gruyère et la crème. Donc, total des dépenses, zéro. Zéro. Aujourd'hui, tout ce qui est là derrière, c'est zéro. Ça nous a coûté zéro. Donc, merci à eux. Eh ben oui, on peut les remercier grandement. Voilà. Et tu remercieras toute ton équipe parce qu'on ne peut pas dire merci à tout le monde parce qu'il y a trop de monde. Hein, on te remercie beaucoup, on se retrouve bientôt. Bah, tout à fait, à l'année prochaine. Merci beaucoup Laurent, merci. Au revoir.